Bonjour. Ah, j'ai mélangé. Bon, c'est pas grave. Ah, rien comme ça. Comment allez-vous? Comment allez-vous les inspirants? Bonjour tout le monde. Eh ben, on va faire Le test hebdomadaire du son et de l'image. Dites-moi si c'est OK de votre côté. Hop, pendant ce temps-là, moi je prépare mon petit thé. Hein? Dites-moi tout. Est-ce que j'ai fait des réglages du coup avec le micro? Donc je pense que par rapport aux autres semaines, vous devez m'entendre un petit peu plus faible, mais normalement il y a moins de bruit de fond. Moins de bruit de fond et moins de chi 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 chi. De neige dans le micro. C'est pas grave, on va attendre un peu. N'hésitez pas, hein, les gens qui sont là, n'hésitez pas à me dire c'est OK son image. On va essayer comme ça. Vous me dites si vous m'entendez bien. Comme j'ai dit, j'ai fait des petits réglages micro. Donc n'hésitez pas à me dire. Ça doit être juste un peu plus faible le son. Et sinon, on va y aller. On va laisser les gens arriver tranquillement, dire bonjour, tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et un bon lundi. Catherine Hugo, c'est OK. Hello Catherine, comment vas-tu? Merci pour ton retour. Ouais, j'espère que vous allez bien. Moi, ça a été un très bon week-end. Émotionnellement, un peu. Excusez-moi, parce que j'ai des notifications en même temps sur les lives et compagnie. Ouais, émotionnellement, remuant. Hein? Comme chacun de nous, on a nos sujets, nos tensions intérieures, hein? Nos sujets à travailler. Vous l'aurez vu peut-être sur l'article que j'ai écrit aujourd'hui. Voilà, il y a des choses dans les actes, le comportement, tout ça qui ont révélé certaines choses. Et du coup, ça remue. Tout simplement. Ah, je suis ravi de vous retrouver en tout cas. Et puis on va y aller. C'est parti. Épisode 42. Épisode 42 pour Inconsciemment Vôtre. L'émission de lecture et décryptage de votre inconscient. Le principe de l'émission, je le rappelle, vous me posez votre problématique, que ce soit une problématique physique, une problématique psychique, un blocage que vous rencontrez, vous ne comprenez pas pourquoi, ou alors vous agissez différemment de ce que vous voudriez, ou alors des situations de vie récurrentes, vous avez l'impression de reproduire toujours la même chose, toujours le même schéma. Vous me posez cette problématique, la question qui va avec. Et moi, je vous livre en fait des informations, de la clarté quant à ce que je sens, la vérité, alors ma vérité, hein, ce sera toujours ma vision, la vérité du moment, le besoin sous-jacent, l'origine du traumatisme, le schéma qui se joue derrière, enfin voilà. Je vous livre vraiment des informations, de la clarté. On n'est pas là pour résoudre spécialement la problématique, c'est pas l'objectif de ces lives. Donc je vous donne vraiment quelques informations pour que vous ayez de la clarté, pour que vous puissiez commencer à continuer ou commencer à prendre conscience et responsabilité quant à ce qui vous incombe, ce qui vous arrive. Voilà. Alors Eric, bonjour, et bien loupé, on entend toujours ce pchit. Alors oui, mais il doit être plus faible normalement. Et je ne peux pas l'enlever. En fait, je vais expliquer pourquoi, mais en fait c'est un micro-cravate à la base qui est fait pour les téléphones portables. Et du coup, il n'y a pas la même atténuation sur les téléphones que sur un PC. Et sur un PC, on est obligé de booster un peu le son pour arriver à peu près au même volume sonore que sur un téléphone. Et du coup, y a un pchit, quoi. Il y a un pchit-pchit. Parce que je suis obligé de booster. Donc j'ai réduit le boost
J'ai réduit le boost, donc normalement ça réduit le pitch avec, mais on m'entend un petit peu moins bien, enfin un petit peu moins fort. Donc pour l'instant ça va être comme ça. Mais un jour j'aurai un vrai micro de PC qui fonctionnera bien sur le PC, il n'y aura plus de pitch. Par contre, lorsque vous avez touché votre gilet, le son est devenu clair. Première pour moi dans votre émission. Ah! Donc là, c'est clair. Là, il n'y a plus de pchit. Ah ouais, quasiment plus. C'est très étrange, très étrange. Hello Aurélia, comment vas-tu? Eh ben, on va voir ça parce qu'effectivement, sur le retour son, je vois la barre en fait, volume. Et quand je ne parle plus, avant en fait, on voyait, enfin, je vois bien au niveau du son que ça. Et là, beaucoup moins. Très étrange, très étrange. J'espère que tu as passé un bon week-end, Aurélia. Eric aussi, Catherine aussi. Et heureux du coup qu'il n'y ait pas ce pchit aujourd'hui. Alors c'est. Ouais, je ferai des tests parce que du coup je comprends pas juste en touchant le gilet pourquoi il n'y a plus. Revenons-en à nos moutons, à notre émission. Du coup. Eh ben, vous me posez votre problématique et voilà, moi je vous livre des informations. Donc vraiment, c'est quelques, comme je disais, c'est quelques brides d'informations pour avoir la clarté et reprendre ou continuer à conscientiser et à avancer sur le cheminement, à prendre la responsabilité d'eux, etc., etc. C'est évident. On n'est pas en séance, donc on n'est pas en soins, en accompagnement, qu'on va pas régler la problématique à proprement dit. C'est une aide supplémentaire. Voilà. Catherine qui nous dit douleur dentaire depuis plus d'une semaine. J'arrive pas à savoir quelle dent serait problématique car la douleur tourne, s'arrête, revient, douce ou forte. Peux-tu m'aider? Ok. Alors a priori, tu as pas mal sur les dents de devant. Moi, je le sens pas là. Je vois que ça tourne un peu sur les côtés, mais c'est surtout au fond. Un peu en haut, plutôt en bas, là, je sens. Pour moi, c'est une tension. Il y a une tension qui vient du cou, oreille, cou. Est-ce que c'est l'oreille? Parce qu'après, tout est relié là-dedans. Alors, attends, j'arrive à isoler. Est-ce que. Là, ce que je sens, c'est une tension surtout à droite, dans la nuque qui descend, enfin qui vient, le muscle qui est dans tout le nerf, tout le chemin, muscle nerf qui va derrière l'oreille jusque dans la nuque. Donc ça, ce serait voilà, le chemin musculaire. Donc là-dessus, tu peux masser tout le trapèze, le cou, remonter jusqu'à l'occipite. Tout ça déjà, ça te fera du bien. Alors après, qu'est-ce qui se joue derrière? Il y a un truc pour moi là assez récent qui t'a mis en tension sur lequel en fait enfin qui t'a
qui t'a vraiment crispé, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui t'a crispé, une action, quelqu'un de proche de toi. Enfin, il y a un truc qui t'a. Ah, je sais pas si ça t'a blessé. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément le mot. Ouais, en fait, pour moi, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui t'a crispé et au lieu de le formuler et de le poser, et ben du coup, tu l'as cristallisé. Et tu l'as cristallisé justement en tension. Et du coup, c'est tout le, pour moi, le haut du dos, la nuque, etc. Et ça tourne oreille, mâchoire. Ça que je sens. Donc pour moi, il n'y a pas forcément, tu vois, ça vient pas d'un truc très lointain. C'est un truc ponctuel. Est-ce qu'il y a une blessure qui va avec? Bah oui et non, hein, oui, il y a quelques peurs, mais globalement, c'est vraiment pour moi quelque chose que tu n'as pas exprimé, Catherine. Donc je t'invite à justement poser ce qui s'est passé avec la personne, ce que ça t'a fait, poser le ressenti, le sortir, l'accepter en fait. Dire, même si des fois, en fait, on ressent des choses qui ne nous plaisent pas à nous-mêmes face à une situation. On va se dire, attends, j'ai pas envie de ressentir ça. C'est pas moi, non, c'est pas normal, j'ai pas envie. Sauf que ça marche pas comme ça. À se dire ça, en fait, on rejette le ressenti qui est réel. Le ressenti, il est là, on peut pas aller contre ça. Pour nous, il est vrai, il est réel. Et c'est pas, le ressenti ne nous définit pas. Mais ça nous donne des indications, des informations quant au vécu, quant aux perceptions, quant aux peurs, etc., qu'il y a derrière. Donc, c'est voir ça en face, l'accepter et se dire, ok, là, ça me donne une information. Effectivement, c'est pas forcément normal. J'ai pas envie de réagir comme ça. Faut le traiter, quoi. Mais pour le traiter, il faut déjà accepter ce ressenti-là. Prendre bah ouais, cette responsabilité pour avancer. Du coup, ça se déporte à gauche, c'est marrant. C'est comme si la droite s'était détendue et que c'est la gauche qui prenait. Okay. En ballottage. Voilà Catherine, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as une autre question? Est-ce que tu veux aller plus loin? Un petit peu par rapport à ce que je te partage. C'est plutôt à gauche. Ouais, maintenant, ouais, carrément. Au début, je sentais plutôt le cou à droite, et en fait, là, maintenant, je sens c'est plutôt la gauche. Donc voilà. Mais après, vu que tu me dis que ça tourne, c'est pas forcément anormal. merci pour ta question. Le pied est agréable, le tien aussi, très agréable, mouvementé émotionnellement. C'est ce que je disais en début d'émission avant que tu arrives. Mais chouette. Chouette, c'est pas simple des fois de voir des comportements qui sont pas forcément sains et qui s'invitent dans nos propres traits de caractère. C'est l'article que j'ai écrit aujourd'hui, entre autres. Et du coup, continuer à te lire, Aurélia, je vais juste reprendre Catherine. Oui, ça me parle, je crois avoir retrouvé la personne. En général, hein, quand on croit, il y a de grandes chances que ce soit ça. C'est pas 100% évidemment, mais
quand il y a un truc qui nous parle et qu'on pose quelque chose dessus assez rapidement, en général, ça trompe pas trop. Donc, pars là-dessus. Déjà, accepte-toi ta réaction. Et ensuite, si tu ressens le besoin, juste livre ce que tu as ressenti à l'autre, ce que ça t'a fait. Et voilà, il n'y a pas de problème en soi. Il y a des fois, il y a des choses qui nous touchent sans même qu'on comprenne nous, ou qui peuvent nous blesser, et même si on n'en veut pas dans l'absolu, enfin, si c'est quelque chose où on ne se reconnaît pas là-dedans, où on surréagit et compagnie, n'empêche que bah, si on surréagit, c'est qu'il y a une blessure, une peur qui est liée derrière. Donc, bah, c'est bien de le voir, et c'est comme ça qu'on commence à traiter le truc. Hello Lisa, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Alors Aurélia, tu me disais qu'il n'y a pas de question devant la mienne. Bah si, du coup, je viens d'y répondre. J'aimerais bien te faire part d'un ressenti qui me travaille ces jours-ci. Dis-moi si tu es OK, s'il te plaît. Bah évidemment, évidemment. Évidemment, Aurélia, c'est évident. On est là pour ça, donc partage-moi ton ressenti et si tu as une question qui va avec, parce que c'est le but, je suppose que tu veux. Est-ce que c'est juste un partage ou est-ce que tu souhaites des informations là-dessus? Parce que vous avez le droit aussi juste de partager et sans me demander quoi que ce soit, hein. Ça peut être ça. Et si je peux rajouter une demande, peux-tu ressentir quelque chose si je te le demande pour mon fils? Enfin, est-ce une façon de procéder qu'on peut faire sur ton live? C'est marrant, j'étais certaine que ton article était en lien avec ton week-end, ne me demande pas pourquoi. Bon, en même temps, à un moment, je dis que c'est du vécu. J'ai pas dit que c'était ce week-end, mais c'est du vécu. Donc, mais effectivement, c'est en lien. C'est tout à fait en lien. Bah parfois, je prends pour écrire mes articles ou faire mes vidéos, ça part de discussions avec des personnes, ça part de séances avec certaines personnes ou d'articles que je lis autre part. Et puis, des fois, ça vient juste de moi, de ma vie. Je prends mes problématiques, enfin, ce que je rencontre. Et puis, ça m'inspire aussi, en fait. Vous m'inspirez, mais bah, ma vie aussi. Donc, ouais. Ouais. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'aime bien être présente sur tes lives. Merci Lisa. Merci. Quoique j'ai quand même un petit problème ces derniers jours. Ok, bah écoute, si tu as une problématique à poser, n'hésite pas. Et si tu as une question qui va avec, bah, n'hésite pas. Dites-moi hein, si c'est juste du partage ou si vous voulez que je vous livre quelque chose par rapport à ça. Aurélia, du coup, pour ton fils. J'ai pas envie de déborder par rapport au live. Je préfère vraiment des questions personnelles, que ce soit les gens qui posent des questions pour eux. Par contre, si tu veux en parler enfin, si tu veux le partager, ouais, mais je sais pas si j'irai voir. Enfin, pendant le live. Après, on peut voir ça en dehors. Et puis, tu m'avais dit que tu voulais prendre une séance avec moi. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas, je vais revenir vers toi après le live et puis on va se caler ça. Pour toi, pour ton fils. Sachez que en ce moment, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fermé ma société pour le moment. Et donc le temps de procédure de fermeture de société, etc. En tout cas, au moins ce mois-ci, je fonctionne en don libre. Donc si vous voulez des séances sur don libre avec moi, bah au téléphone ou message ou ce que vous voulez et on se cale ça. Les inspirants, les inspirés, bah oui, on s'inspire tous les uns les autres. Si ouais, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, si les autres nous inspirent plus, c'est qu'on est en fermeture totale. Et c'est que on est en non-acceptation de la différence, de l'autre, du coup c'est. Pour moi, l'inspiration, elle est parlante dans le
le sens, dans l'ouverture à l'autre et dans l'acceptation de ce qu'est l'autre. Un minimum en tout cas. Lisa, le truc c'est que c'est assez compliqué de l'expliquer, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Le plus clair. Ok. Bah, prends ton temps. Prends ton temps. Catherine, merci Adrien. Bah, avec plaisir. Avec plaisir, Catherine. Et si tu veux me faire un retour après ces jours-ci de comment ça évolue, et si ça t'a aidé, n'hésite pas. Moi, c'est toujours un plaisir d'avoir des retours par rapport à ce que, bah, ce qui se passe, en fait, avoir un retour de ce qui vous arrive. Quand même. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Aurélia doit préparer sa question. Lisa aussi. Ok. Il n'y a pas de chat aujourd'hui. Mais il dort. Il arrivera peut-être tout à l'heure. Alors, Lisa, donc, depuis 2 semaines, je suis un streamer qui fait du just chatting. Il a été un peu bizarre. Il avait l'air très pauvre, triste et un peu décalé mentalement, mais vu que j'aime bien aider, soutenir les gens, je le suis. Ok. Ouais, pas mal. C'est dur parfois sur la conjugaison là de. Je décode, je décode. Ok, vas-y Lisa. Je suppose que ça va être en plusieurs morceaux. Parle-moi, si tu as un partage ou une question ou ce qui t'arrive, il faut vraiment que ce soit enfin, un truc qui t'appartienne. Je veux juste. Voilà. Et en rappel. Ceux qui ne le savent pas, pas de questions comment. Je ne réponds pas aux questions comment. Négatif. Je ne suis pas là pour vous, entre guillemets, mâcher le travail et faire à votre place. Le comment, on peut voir ça qu'en séance et c'est du travail en bilatéral, quoi. Alors, Aurélia. Bon, du coup, Lisa, je te laisse expliquer et puis je reviendrai vers toi après. Je vais prendre Aurélia. Pour mon ressenti, j'aimerais comprendre le pourquoi se présentent des rêves en ce moment qui me secouent bien comme il faut émotionnellement. En vois-tu la raison? Ou ce que peut représenter l'état psychique et plus quand on rêve davantage qu'à d'autres moments. Je ne rêve pour autant dire jamais habituellement. Alors, où est le problème en fait? Où est le problème? Pourquoi je dis ça? En fait, tu me partages quelque chose qui t'arrive, qui est surprenant, qui peut te secouer un peu parce que bah, pas habitué, parce que changement, parce que les rêves, bah, effectivement, j'allais dire, c'est un petit peu comme une seconde vie. Il se passe plein de choses dans les rêves, donc ouais, selon les rêves qu'on fait et compagnie. Et toi, si tu rêves jamais, enfin, très peu d'habitude, et que là, tu es dans une période où tu les vois, où tu les vis, bah, tu m'étonnes que ça te secoue un peu. Mais en soi, c'est un changement. C'est comme si tu me disais, bah, je change de boulot la première semaine, la vache. Enfin, voilà, tu découvres un nouveau boulot et tu te dis, oh, putain, il y a plein de choses à apprendre, ça me secoue, c'est pas simple. Bah ouais, normal. Normal. Donc, te donner une raison. Enfin, voilà, que ça te secoue, que ça te travaille, je peux le comprendre. Après, te dire pourquoi tu rêves plus. Est-ce que il y avait vraiment une nécessité là à aller chercher? Parce que parfois, enfin pour moi, il y a certaines questions qu'on se pose parce que c'est comme si on avait besoin de se poser des questions. Au lieu de juste pas parfois juste de se dire ok, il arrive ça. On n'est pas obligé de trouver des significations à tout ce qui se passe tout le temps. Parce qu'à ce moment-là, là, on est trop très dans le mental et on est dans le contrôle.
je vais quand même, allez, je vais quand même regarder si j'ai un truc vraiment à te livrer, mais c'est rigolo parce que le seul truc qui me vient là, c'est que c'est le fait de lâcher justement un peu le contrôle. Une espèce de part d'acceptation et de lâcher ça qui fait que tu vois tes rêves et du coup tu essaies de reprendre contrôle sur ça quelque part. C'est bizarre. Je recherche le pourquoi car les rêves ne sont pas rassurants ni agréables. Ce n'est pas le simple fait de rêver. D'accord, ok. Est-ce que tu veux en raconter un ou pas? Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de partager? Ou pas du tout? Bon, on reste juste avec cette généralité. Même si je suis pas un décodeur de rêves. Hein, mais... Ok, bah, en fait, ouais. Par rapport à ce que je te disais, le fait de lâcher un peu le contrôle et que tu fasses ces rêves un peu désagréables et compagnie, j'y vois un lien. Avec le fait que, comment dire, ah, en fait, certaines peurs s'expriment à travers les rêves du coup, et t'invitent à les voir comme s'il y avait une histoire de c'est bon, maintenant tu peux les regarder en face, tu peux les voir. Donc ouais, ressens. Ouais, là c'est ce qui me vient, c'est y a une... Une espèce d'étape que tu as franchi ces derniers mois et du coup là aujourd'hui ça t'invite à aller plus profondément quelque part par rapport à ces peurs, ce contrôle voilà, et ça s'exprime entre autres par les rêves. Donc après on pourra, si tu veux, on pourra travailler ça en séance. Alors Lisa, je vais reprendre parce que là je vois le chat pour moi qui est tout en haut. Donc après ça, depuis 5 jours. Ah mince, je l'ai plus. Merci Adrien. Je vais reprendre après Lisa. Faut que je remonte dans le chat. Est-ce que je peux l'avoir là? C'est une bonne question. Je pense. Voir ça après. Eric, donc tu dis merci.
Merci Adrien pour la réponse sur les rêves. Pensées, mentales, émotions prennent le contrôle, d'où mon absence de rêve en ce moment, ou d'un oubli de rêve. Un travail à faire. Merci pour ce sujet. Bah après, ça dépend vraiment des gens. Faut pas se dire si je rêve pas, c'est que je suis trop dans le contrôle. Parce qu'il y a des personnes qui sont énormément dans le contrôle et qui rêvent beaucoup. Donc ça n'a pas foncièrement de lien. Là, c'est ce que je capte pour Aurélie, c'est spécifique. Mais si ça te parle, tant mieux, par contre. Si ça te parle, ça te parle. Et ça, bah, c'est chouette. Prends ce qui te parle en vrai. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et l'absence de rêve, effectivement, parfois, il y a un sujet sur lequel qui peut nous turlupiner. En fait, vraiment, ça dépend des gens. Moi, je sais que, en général, je rêve quand je suis plutôt bien. Quand je rêve pas, c'est qu'il y a des trucs qui me travaillent. À l'inverse. Enfin, à l'inverse. C'est même pas l'inverse, mais voilà. En général, moi, ça fonctionne plutôt comme ça. Mais il arrive aussi que je rêve et que tout aille bien. Enfin, voilà, tout dépend. Là, pour Aurélie, en tout cas, en ce moment, c'est comme ça. C'est ce que je sens et ce que je vois. J'arrive vers toi tout de suite, Lisa. Je lis le message d'Aurélie. Et t'inquiète pas, je vais remonter le chat. Il faut juste que je me déplace sur le PC. Là, j'ai pas tout le défilé. Et vu que c'est derrière, c'est sur ma télé, il faut que je mette assez gros pour voir les textes. Et du coup, j'en ai pas 15 000. Donc, Aurélia, le premier était un bébé qui tombait dans un très grand escalier que j'essayais de rattraper pour que sa tête ne cogne pas le sol. Ok. Le deuxième était que je perdais mon fils à un âge plus jeune qu'il n'a aujourd'hui. Comme si je le perdais dans la rue avec de l'inattention de ma part. Complètement bloqué par la stratégie que je pouvais m'engager pour le retrouver. Bah, du coup, c'est en lien avec cette histoire de contrôle pour moi que je te disais. Et alors, je sais pas si ça a lien, mais bizarrement, tu me dis que tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais un sujet, une question par rapport à ton fils. Et là, tu me partages des rêves avec des bébés, des accidents, on va dire ça comme ça, donc une espèce de vouloir de vouloir protéger, d'être dans le contrôle de ce qui peut arriver. Et en même temps, bah, c'est un peu inéluctable, hein. Des choses. C'est moche, heureusement que c'est dans un rêve, hein, je dis pas le contraire. Et voilà. Donc peut-être qu'il y a un lien, Aurélia, entre ce que tu m'as partagé tout à l'heure pour ton fils. J'ai dit Aurélie? J'ai dit Aurélie? Nom de Dieu. Ne me frappez pas! Non, pas au bûcher, s'il te plaît, pas au bûcher. Je vais te trouver un truc pour que tu m'appelles plus Aurélie, Adrienne. Mais vas-y. Alors le Adrienne, tu sais, j'y ai droit depuis que je suis en primaire avec Rocky, tout ça, tout ça. Tu peux y aller. Le mur d'Adrien, Adrienne. Il y en a quelques-uns. Adrienne crotte de chien. Si tu... Puis avec mon nom de famille, alors là. C'est la porte ouverte à toutes les conneries. Excuse-moi, Aurélien, excuse-moi. C'est pas cool. Ciao. C'est pas fait exprès. C'est comme on m'appelle souvent Aurélien. Je sais pas pourquoi. C'est incroyable le nombre de fois où on m'appelle Aurélien. Alors, Lisa. Du coup, je vais remonter un peu le chat. Bougez pas. J'espère que ça va pas trop grésiller sur le micro. Est-ce que si je fais ça. Ouais, c'est pas bien de faire comme ça. Alors, je vais lire là de mon siège, après je redescendrai. Enfin, je reviendrai sur le canapé, je redescendrai. Donc, depuis 5 jours, on parle sur Discord. Encore une fois, rien de bizarre, du moins venant de lui. D'un coup, avant-hier, il me demande que je lui envoie une photo de moi. Je me dis, il veut simplement voir à quoi je ressemble, donc j'accepte. J'étais en cosplay. Ok. Après, ça devient très bizarre. Au passage, il y a 21 ans, j'en ai 17. Ok. D'un coup, il me demande si je veux sortir avec lui, si je veux habiter avec lui, que
que sa position préférée elle est vraie, je trouvais ça extrêmement perturbant et bien entendu je refuse, de un parce que c'était trop bizarre et de deux je ne suis pas du tout pour une relation virtuelle. Après mon refus, il me dit qu'il veut se suicider et qu'il en a marre de sa vie. Skip pas le message de OSTP, je le dis juste au cas où. Ok. Et alors, il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce partage, chère Lisa? Que veux-tu Est-ce qu'il y a un truc que tu veux savoir pour toi? Ou est-ce que c'était juste un partage comme ça? Qu'est-ce que quoi? Dis-moi. Dis-moi. Attends, parce que ça n'est pas fini, j'attendais. Voilà. Excuse-moi la conjugaison là. J'attendais que tu avais lu le message. Comment ça? Ok, ça marche. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Termine ton histoire et pose-moi la question si tu es avec. Pour ceux qui ne sauraient pas, je fais des séances en dehors, parce que c'est aussi mon, alors j'allais dire mon métier. Pour l'instant, ça ne l'est plus, mais ça va le redevenir. Mais ça reste quelque chose, une passion et quelque chose que je continue. Donc, je fais des rendez-vous de 45 minutes ou d'1h30 et je fais ça sur don libre pour le moment. Donc, si vous avez envie de travailler quelque chose, n'hésitez pas. Je suis tout à vous sur je soigne enfin j'aide à soigner les problématiques physiques notamment puisque ma base c'est le magnétisme et après j'utilise différents outils que ce soit le pendule, les cartes, j'ai un oracle avec moi, ma clairvoyance pour aller comprendre et fouiller un peu ce qui se joue en vous, ce qui se cache derrière vous, échanger avec vous, enfin bref, vous faire avancer les responsabilités quant à ce que vous rencontrez. Votre problématique. Aurélia, c'est pardonné encore une fois. Ouais, encore une fois. Ça fait beaucoup, hein. Je crois que ça doit faire 4-5 fois. Je sais pas, il y a un truc. Après, j'ai une soeur qui s'appelle Aurélie, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Je fais un biais, je sais pas. Merci pour ton retour. Peut-être l'avancement des choses de mon côté. En effet, en l'occurrence, pas certaine que ce soit lié avec mon grand. Je reviens vers toi plus tard. Je laisse la place. Merci d'avoir été. Voir s'il y avait plus. Ouais. Des fois, il nous arrive des choses et faut pas forcément se prendre la tête. Voilà. Des fois, y a rien à comprendre en fait. Il faut laisser faire un peu le processus, ce qui se passe. Des fois, ce sera ma seule réponse, laisser faire le processus et pas chercher des problématiques ou des raisons à tout ce qui se passe tout le temps. C'est un peu les deux. Faut voir là où ça nous dessert vraiment. Là où ça empiète sur notre vie, là où ça empiète sur notre propre bonheur, là où ça empiète sur notre évolution. Là, c'est intéressant et c'est important, effectivement, d'aller voir. Si on a envie d'avancer, hein, c'est toujours pareil. Après, il faut prendre la responsabilité. C'est un choix. Mais voilà. Et parfois, c'est pas parce qu'il y a du changement qu'il faut aller voir ce qui se passe derrière ce changement. Bah, non, on laisse le faire. Donc, laisse voir. Après, si vraiment ça empiète, par exemple, si tu continues à rêver de ça, que du coup, tu en fais des espèces d'angoisse ou que tu n'arrives pas à dormir, ou que. Enfin voilà, ok. Mais des fois, faut juste laisser faire, c'est la vie. Désolé, je ne fais pas trop attention à comment j'écris sur les réseaux. Oh, pas de souci,
Ça, c'est mon côté. Voilà, on a chacun ses manies et ses. Comment dire? Des choses qui peuvent un peu nous choquer, nous titiller. Et ouais. Bon, après, j'en fais aussi des fautes. Hein, mais voilà, c'est un des trucs qui me. Mais pas de souci. Je le sais bien. J'accepte que les gens, surtout dans les lives, etc., enfin, c'est normal, quoi. Donc, vas-y, Lisa. Vas-y, vas-y. Ah, ok. Alors, à côté, il y avait un autre streamer que je suivais. Oh là là, attention l'histoire. Également. Depuis à peu près 2 semaines. Ah, et que tu suivais également depuis à peu près 2 semaines. Okay. On a aussi parlé sur Discord et autres, mais lui ne faisait rien de bizarre. Je lui faisais plus ou moins confiance, donc je lui ai parlé de l'histoire que je viens de te raconter. Ok, il trouvait ça ridicule et très bizarre comme moi. Mais après son live, il a continué à m'envoyer des messages. Ces messages étaient plus du harcèlement sexuel, il me demandait plein de choses bizarres. Alors là, tu parles duquel? Sur ta dernière phrase, quand tu dis, mais après son live, il a continué à m'envoyer des messages. Est-ce que tu parles du deuxième ou du premier? Et pareil, là, il n'y a toujours pas de question. Tu me partages un truc. Là, sur ce que tu me partages, ok, le deuxième. Qu'en fait, tu rencontres deux personnes, là, qui te font des avances virtuelles, que tu prends comme harcèlement, que tu prends comme qui t'attaquent, qui vont au-delà de ton cercle d'intimité, qui vont au-delà de ta limite de respect. Tu me dis si je me trompe, hein. Donc en soi, moi, là, la simplicité, c'est de dire déjà la première chose, c'est que ça va au-delà de, enfin voilà, c'est de l'irrespect, ça va au-delà de tes frontières et de tes limites quant à la confiance, quant à, enfin tout ça, tout ça. Donc c'est de couper court. Mais du coup, pour ma question en rapport avec ça, c'est aurais-tu des conseils pour éviter ce genre de personnes ou pour essayer de faire quelque chose contre, car je n'apprécie pas du tout ce genre de choses. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, je vais dégrossir. Je vais dégrossir, Lisa. Donc ouais, la première chose, c'est déjà de couper court, c'est-à-dire de ne pas essayer de justifier ou de ne pas essayer de rattraper ou de choses comme ça. À partir du moment où ces personnes ne sont pas en lien avec tes valeurs et vont trop loin, bah déjà c'est de leur signifier. Et s'ils s'en foutent ou qu'ils passent outre ou qu'ils continuent ou que machin, enfin bref, que après l'avoir signifié, il n'y a pas de. Bah ça rentre pas ou c'est toujours la même chose, enfin bref, voilà. Et ben c'est d'arrêter tout simplement. À partir de. En vrai, c'est simple. Quand il y a des personnes où tu te sens agressé comme ça, tu sens que ça va trop loin, bah, la première chose c'est. Tu vas pas te faire chier avec des personnes qui font ça. T'as ton énergie, tu vas la mettre ailleurs. Ton énergie, tu vas essayer de la mettre dans ta propre vie, dans ta propre réalisation, et puis vers des personnes qui sont plus en lien avec tes valeurs, on va dire ça comme ça, moins toxiques. Après, là, ce que je sens, c'est que tu mets pas tes limites. Je vais aller plus loin, hein, je dégrossis. Ce que je sens, c'est que tu mets pas tes limites. Ce que je sens également, c'est que oui, tu as envie d'aider, mais tu es en mode sauveuse. T'es pas en mode quelque part, j'allais dire, amical ou une épaule. Voilà. C'est, j'allais dire, pour le bien de la communauté.
Après, une autre des choses, là, avant de creuser, je vais repartir sur une généralité, c'est que des cons, tu en rencontreras toute ta vie. Des gens qui ne respectent pas tes valeurs, mais c'est les tiennes, hein, tu en rencontreras toute ta vie. Donc c'est aussi apprendre, quand ça t'arrive, eh ben juste à poser le truc, à dire bah non, en fait je ne veux pas de ça, ou là non, enfin la mec, c'est juste pas possible, je fonctionne pas comme ça, je veux pas ça. Donc être dans l'expression de tes besoins, de tes limites, de tes valeurs, et si, comme je te disais tout à l'heure, si ça change rien, enfin bref, et ben c'est juste veux dire, il y a 8 milliards de personnes sur Terre, t'es pas à moins 200 ou moins 300 personnes en moins sur ta vie, tu vois. Attends, j'ai vu qu'il m'a écrit. J'ai l'impression que le premier, c'est de profiter de ma gentillesse. Oui. Alors, il essaie de profiter de ta gentillesse, mais en même temps, c'est toi qui aussi ouvre la porte. C'est-à-dire que c'est à toi de fixer tes frontières et tes limites. C'est pour ça que je te dis, c'est hyper important de dire stop, d'expliquer pourquoi, de. Enfin voilà. Et si les personnes continuent, bah, c'est juste ok mec, bah fais ce que tu veux, mais ce ne sera pas moi. Basta. Parce que tu ne le changeras pas. Une personne qui ne veut pas changer ou qui ne se rend pas compte, tu ne la changeras pas. Mais tu as ça dans le crâne, t'es pas une sauveuse. Donc toi, c'est ta priorité, c'est te respecter toi. Et si pour te respecter toi, c'est bah, couper le cours, bah coupe court en fait. Tu vas pas user de l'énergie, tu vas pas te faire du mal et tu vas pas te blinder ou tu vas pas essayer de te protéger plus. Parce qu'en fait, ça va te desservir. Si tu te protèges plus pour éviter ces genres de personnes parce que toi-même, en fait, quelque part, tu les laisses rentrer trop. Tu essaies trop d'être dans le. J'ai perdu le mot. Dans la compassion, bah ouais, mais tu vois, il y a aussi ta propre responsabilité là-dedans. Donc, voilà. Et tu disais, quand il parle ici, j'ai plus l'impression qu'il voulait me faire culpabiliser pour que je reprenne la conversation. Bah bien sûr. Et ça, c'est des gens. Quand il y a des gens qui disent je vais me suicider parce que c'est de ta faute ou parce que j'ai pas ça ou parce que. Mais ça, c'est un appel à l'aide, c'est un manque d'attention, c'est peur de l'abandon, peur du rejet. Enfin, ça dépend, il peut y avoir plein plein de raisons derrière, diverses et variées. Mais tu n'es absolument jamais responsable de ça. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. On n'est pas responsable de l'envie de suicide de quelqu'un. Jamais. Basta. Ça va plus loin. Donc tu t'ancres ça dans le crâne. Jamais. C'est simple. Cette règle est simple. Bah, t'es pas sa psy, t'es pas sa mère, t'es pas. Voilà. T'es quelqu'un avec qui il discute, quelqu'un avec qui il partage. Maintenant, du vomi émotionnel, du vomi de peur et compagnie, et du vomi de culpabilité et compagnie, bah, c'est de la merde, c'est toxique pour toi. Donc c'est, bah, je suis désolé, mais bah, respecte-toi. Je reviens à ça, respecte-toi et dis, bah, je suis désolé. Et c'est tout. Et si, même si. Je sais que personne n'aime entendre ça, que c'est pas agréable, moi le premier, mais si la personne se fait du mal, même enfin, après la rencontre avec toi ou après machin, en soi, c'est pas toi le problème. C'est lui, en fait, qui n'a pas réglé ça. Et qui n'a pas pris, voilà, qui a décidé de prendre cette porte de sortie. Tu y es pour rien. Et pour ce qui est du fait que tu attires ce genre de mec,
Pour moi, il y a un manque d'attention évident. Tu recherches de l'attention. Tu n'es pas en partage pur et dur de la personne que tu es. Une recherche derrière. D'attirer l'attention, d'être un peu cocooné, tu vois. Et donc tu cherches quelqu'un qui va remplir un manque, donc tu vas tomber sur des gens qui sont en lien avec ce manque et qui vont aussi te leur foutre dans la gueule autrement. Mais voilà. Donc c'est de voir les warnings avant, ça tu vas apprendre ça avec l'expérience, avec la vie, avec les rencontres. C'est de voir les warnings avant. Ce genre de ça va te servir d'expérience pour ça vraiment comme une expérience. C'est-à-dire que rencontrer des gens comme ça, une fois que tu les as rencontrés, une fois que ça t'a fait du mal, quelque part, enfin, voilà, ben après, quelque part, ton cerveau est plus à même de capter l'information un peu en avance. Alors ça ne veut pas dire tout mettre, tout jeter avec l'eau du bain, enfin, dès que tu as l'alarme qui s'allume. L'alarme, c'est ah, attention. Là, je fais attention, je vais mettre de la conscience sur cette personne, sur ce qui va se passer. C'est pas direct, ah attention, enfin ce mec-là, parce que ça a réveillé mon alarme, ça faut faire gaffe parce que ça peut être une déviance aussi, et du coup on s'enferme dans l'opposé. Tu vis encore avec tes parents? Tes parents sont divorcés, Lisa? Autre chose qui me perturbe, c'est que ça ne m'était jamais arrivé jusque-là. Et d'un coup, deux personnes en qui j'avais plus ou moins confiance me font ça. Bah ouais. Alors, le jamais arrivé, de toute façon, j'ai envie de te dire, jamais avant que ça arrive. Mais il y a la vie, c'est fait que de ça. Quand tu essayes quelque chose, bah, tu l'avais jamais fait avant. Quand il t'arrive quelque chose, bah, ça t'est jamais arrivé. Donc, faut pas essayer de comprendre pourquoi ça arrive maintenant et que ça t'est jamais arrivé. C'est maintenant que ça arrive, qu'est-ce que ça me dit? Voilà, ça t'évitera de faire des nœuds supplémentaires au cerveau. On n'a pas besoin de nœuds supplémentaires au cerveau. C'est ok, maintenant que ça m'arrive, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas, attends, je comprends pas pourquoi ça m'est pas arrivé avant et que ça m'arrive que maintenant. Ça m'arrive maintenant, j'en fais quoi? Non, ils sont toujours ensemble, d'accord. Frères et sœurs, enfin, t'es pas fille unique, de ce que je sens, tu me dis. Hein. Ça mériterait d'aller plus loin, les amis. Mais... Il y a deux choses. Alors, te prends pas trop la tête, mais pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà l'effet exploration de la vie, comme je te disais. C'est-à-dire que bah, ça t'apprend à quelque part à te connaître, à forger tes limites, tes besoins, tes valeurs, à apprendre à dire les choses et à respecter tes propres codes intérieurs. Ça, c'est la vie, c'est l'expérience, donc ça va t'arriver sur plein de domaines. Et il faut, voilà, c'est apprendre à dealer avec ça, à respecter. Ça se trouve, c'est juste ça. Je sens un petit truc par rapport à ton père, sinon. Pas forcément dans la démonstration émotionnelle. T'as un petit frère. Ouais. Ok. Je voulais dire pourquoi ça m'arrive d'un coup deux fois d'affilée. Bah ça, c'est les lois des séries, hein, tu sais. Tu verras que ça pareil, ça va t'arriver plein de fois. Hein. Belle soirée à toi, Adrien. Merci de ta présence quotidienne. De ma présence quotidienne. Bah ouais. Bah je suis en vrai, je suis vivant tous les jours. Hein.
que si un jour sur deux j'étais pas là, enfin pas là. Là 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 là. C'est la fin du live, c'est pour ça. Merci à toi Aurélia et merci de ta présence hebdomadaire à ce live. Et à ta présence sur Terre, t'as vu, tout ça, la spiritualité. Merci, merci. Et bonne soirée à toi et on se capte vraiment dans la semaine, Aurélia. Parce que ça fait un moment que tu me dis qu'on se fait ça. Bref, pour revenir à toi, Lisa, par rapport à ton père, si ce que je te dis, ça te parle, déjà, essaie de voir ce que ça provoque en toi. Et si ça te parle, je t'invite à aller parler, en fait, à ton père, tout simplement, à lui livrer. Si t'aimerais, bah, livrer ce que tu ressens, tout simplement. Livrer ce que tu ressens. Ça fait peur. De livrer ce qu'on ressent à ses parents, à ses amis, à ses petits amis. Mais il n'y a que comme ça qu'on avance et ouais, on apprend bah, qu'on se respecte. Et on se respecte soi et on respecte l'autre aussi. Parce qu'en ne disant rien, on ne respecte pas l'autre, hein, mine de rien. Si on ne se respecte pas soi, on ne respecte pas l'autre. Ça, c'est l'effet ping-pong. Pour être honnête, je n'ai pas trop envie d'en parler avec mon père. Mais ça, c'est encore un autre problème. Alors, je te parle pas de parler de ce qui t'est arrivé avec ton père. C'est pas ça que j'ai dit. Je t'ai dit, pour moi, il y a un manque affectif en lien avec ton père. C'est ça que j'ai dit. Et je t'invite à voir si ça te parle, ce que ça provoque en toi, et s'il y a des choses qui se passent par rapport à ce sujet-là, c'est d'en parler avec ton père. C'est ça que je dis. Je peux comprendre que tu n'aies pas envie de parler de ça avec ton père. Après ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui se sentent très à l'aise pour en parler avec leurs parents, et des parents qui sont là pour accompagner, pas pour contrôler. Parce qu'il y a des parents qui sont beaucoup dans le contrôle, attention, 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 fais pas ci, fais pas ça, ou derrière qui vont te protéger, ou derrière. Enfin, bref, et ce serait pour moi, c'est pas sain parce que ça t'empêche d'être dans l'expérience de la vie. Ah, oups, désolé, j'avais mal compris. Pas de souci. Voilà, moi je sais qu'il y a des choses que je partageais avec ma mère et il y a des choses que je lui disais pas. C'est enfin, j'ai envie de te dire, c'est normal, quoi. Enfin, normal, c'est comme ça. Voilà, voilà, Lisa. Il est 20h, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc on va pouvoir clôturer. Si quelqu'un a un message à faire passer, quelque chose à dire, un partage, tout ça, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et moi je vais aller déjà manger un petit morceau. Puis après je vais vaquer à mes occupations de soirée. Voilà. Et je dis voilà, c'est mon tic. Mon tic, voilà. 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 Non mais. C'était encore un plaisir de passer cette heure avec vous, de vous lire vos partages, vos problématiques, d'avancer avec vous, de vous livrer. Merci vraiment de de vos livraisons et de votre vulnérabilité parce que Aurélia a partagé des choses. Enfin, même si c'est des rêves, voilà, c'est pas forcément simple. Lisa a partagé des choses hyper perso. C'était. Voilà. Merci pour ça. C'est très chouette. Et merci Eric, merci. Enfin, à tous les présents. À Catherine aussi. Merci Catherine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en avance à l'adresse lesinspirants@hotmail.com ou alors lors des lives, directement dans le chat, vous le savez.
Si vous pensez que ces lives peuvent aider des personnes ou alors mes articles, mes vidéos, n'hésitez pas, pareil, à partager aux personnes, parce que si ça peut aider. C'est comme une bonne adresse d'un resto, un bon magasin ou un truc où on trouve un truc sympa, etc. Eh bien, on partage. Donc, n'hésitez pas si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Ce sera avec grand plaisir. Si vous avez envie ou besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à venir me parler en privé. Je fonctionne sur Don Libre en ce moment, sur des rendez-vous de 45 minutes ou d'1h30. Et j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près tout dit. Dernière chose, j'ai même pas parlé d'art aujourd'hui. Magnifique. Petit message d'art, petite auto-promotion pour les Nantais. Je fais en ce moment une exposition au Chapitre Thé, qui est un salon de thé-café, en ce moment non, mais voilà. Et qui fait aussi Bistro Vue Culturelle, qui fait de la vente à emporter. Donc l'exposition n'est pas visible en tout temps. Elle est visible de 11h30 à 14h, du lundi au vendredi, jusqu'à la fin du mois. Voilà, je vous fais des bisous. Merci à tous. Merci Catherine, Adrien pour ce beau moment plein d'amour et de lumière. C'est beau. On se quitte sur ça. Bonne semaine, bon appétit, profitez bien, take care, amusez-vous, joie, bonheur, tout ça, tout ça. Bisous les inspirants.